Costco soda dans le 9 maintenant. Faut qu'on se lève. Oui, oui. Faut qu'on se lève. Excusez-moi pour la vidéo. Maman Boya. L'animation terminée. Oui. Le président de la République est parti. Cérémonie. Bonjour. Bonjour, monsieur l'abbé. On comprend que c'est une situation très difficile. Mais est-ce qu'il représentait quoi, monseigneur? Comme vous le savez, je suis un évêque, un homme consacré à Dieu et au peuple de Dieu qui a travaillé jusqu'à la fin de la période prévue par le droit canon. Et après ça, il a continué à œuvrer dans un cadre autre que l'Église parce qu'il était émérite. Il est resté proche de l'Église et c'est une perte pour nous. Mais notre consolation, c'est que le Seigneur l'a rappelé en ce temps pascal, qui est le moment, un des moments forts qui nous rappelle que la vie n'a pas de fin pour qui croit au Seigneur. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Il appelle mon Seigneur, en plus. C'était l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général des évêques de la Senco. Voilà. Assez avec qui déjà? Des véhicules là? Oui, mon véhicule est là derrière. Ah, ok. On s'appelle. D'accord. Excusez-moi pour nous. Je suis là. D'accord. C'est là. Ça, c'est le véhicule de maman Marc qui sort. Maman Marc qui sort. Ouais. Okay.
cérémonie civile. Vraiment en toute intimité quoi. C'est juste derrière le centre Ngata. Oui, cimetière à Basango. Basango n'y a sauté. Bakunda Basango est archidiocèse de Kinshasa. Ouais. Alors lui, comme il est de Mweka, et puis comme il est mort ici, comme c'est un évêque émérite, mais exceptionnellement, Bakundi et Awa. Omoni. Tu as compris, non? Sinon, tu n'as pas condamné la nécropole si c'était un autre prêtre. Ouais. Mais comme il a été. Ah, papa, il y a un peu de chanter? Non, non. C'est ça le séminariste. Comment tu chantes? J'ai eu le quitus. J'étais le délégué du parti. Non, la Mekiko Trouza Foto m'a demandé de supprimer la lettre. Il n'y a pas eu, on n'a pas filmé. Il faut prendre une responsabilité. Donc personne n'a fait. Personne. D'ailleurs, il y avait une même de la famille qui a voulu prendre la ravine. Qui était? Une fille de la famille. La ravine était là. Donnez-vous ton bon avis. Si, bah, on va aussi de sa On est bien mort.
Achel, moi j'ai très faim, je vais manger ici. Tu sais, derrière, tu passes comme. Cérémonie terminée. Non, aidez-moi, pardon. On va barricade. Nada. Rachel. Rachel. Voilà. Voilà. Animation terminée. Ce qu'il faut retenir, que l'animation, ça va bien. L'animation a eu lieu. Terminée. Le président est parti. C'est une cérémonie qui n'a pas beaucoup duré parce que, vous savez, les circonstances sanitaires qui entourent l'événement. Ouais. Et donc, ça n'a pas été possible. Donc, à l'intérieur, c'était vraiment en toute intimité parce que nous n'avons pas eu droit. En toute intimité, ça veut dire pas, on ne filme pas. Il y a des images qui ont été prises, mais par la presse présidentielle uniquement. Bonjour. On est dans le même groupe républicain. Moi, c'est Guy Kouéité. Et comment on fait pour entrer là-bas? Vas-y, on va faire entrer. Non. Non, oui. Hein? Vous êtes entré comment? Là, c'est pour bien sortir, nous, non, tout simplement. Bon, je vous vois, je vous accompagne alors. C'est là? En retard? Non, j'étais là depuis, mais je pouvais pas entrer. Je suis venue depuis longtemps. Moi, je suis venue depuis 11 heures. Mais comment tu n'étais pas là?
Oh, on a dit qu'il n'y avait pas accès. Je suis là depuis 11 heures. Couvrir. Oui, je suis là depuis 11 heures. Bonjour. 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 Donc, voilà. C'est là qu'il est. Fallait prendre patience. Vous comprenez que à un certain moment, les règles restent les règles. Il ne faut pas les bafouer dans une cérémonie comme celle-ci. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions. Il faut toujours respecter la règle et respecter les conditions. Voilà, ça veut dire qu'il ne fallait pas que tout le monde puisse entrer, mais il fallait prendre patience pour voir jusqu'à la fin ce qu'a été. Voilà, mon Seigneur. Où est-ce qu'il est ton terrain? C'est ici. C'est comme ça. Bonjour. Et c'est à l'intérieur. C'est là-bas qu'il repose désormais. Ah, c'est le rapportage. Oui. Vous faites la photo? Oui. Vous le connaissez comment? Monseigneur Gérard Moulumba. Monseigneur, c'est notre papa. Pardon? Oui, Monseigneur. Monseigneur, c'est notre papa. Non, Mingi. Oui, il vient de nous quitter. C'est une perte de notre famille. Et ça lui passe, Makassi. Ça lui passe, Makassi. Makassi, la motène. Ça lui passe, Makassi. Le côté de papa n'a vu ça. Nous avons une année à pouvoir. Nous avons tout le monde qui est. Nous avons tout le monde sa famille. Nous avons la maison civile. Mais à tout qui dit ça, je suis en train de me faire un peu de temps. En train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire. Nous sommes tous là, ma collaborateur, nous sommes vraiment en douleur par rapport à son départ à Kei Mbangu Mbangu, à Tikibison à Posanaye, à Kambouizan à Nebele à Posala. C'est pourquoi tu es quand la dernière demeure à Wana Saint-Tringante. À Saint-Kagwa. Merci. Oui. Vous voulez parler? Oui, je veux parler. En lingala, tiluba français, soyez. Vous voulez parler en quelle langue, papa? Madame Lema, Madame Rachel. Madame lingala, Chilouba. Même en tiluba. Oui. C'est bon, tiluba. Ah, allons-y. Oui. Moi, je ne parle pas tiluba, mais je vous pose la question en français. Vous répondez en tiluba. Vous écoutez le tiluba? Non, non, non. On parle maintenant en lingala. Non, tiluba, c'est mieux. J'aimerais aussi que quelqu'un parle. Oui. Et puis là-bas, on parlera soyez. Ah, d'accord. Alors, monsieur Gérard, monseigneur Gérard Moulumba. Vous l'avez connu comment? Quel genre d'homme était-il? Et quel est le souvenir que vous gardez de lui? En tout cas, Monseigneur Moulumba. Ah oui, Ndi Moutiluba. Monseigneur Moulumba, moi, Nawa, Yaya, Nguye, Toa, Kumpana, Moutito, Tito, Tchambaya, Ndiya, Bantu, Nato, Mouyaye. Donc, Monseigneur Moulumba, moi, Nguye, Moulonde, Tisekedi, Wa, Kaben, Kaben, Olusan, Agnès, même qui m'a connu, je vous présente, Moutipa. C'est pourquoi je dis Merci.
Non, non plus. Ça, c'est quelle chaîne? C'est tout du magasin à titre. Alors, vous vous répondez en swahili. Qu'est-ce que vous retenez de lui comme souvenir, comme bon souvenir? Il est pour moi un père. Il est pour moi un père. Sa maman est grande sœur de mon pauvre papa. Alors, c'est quelqu'un qui aime d'abord la famille, un homme logique, un homme loyal, un homme droit, qui n'aime pas les tournures ni les mensonges. Alors, nous sommes tellement touchés dans le sens que on a porté ça beaucoup. Mon tout kabisa et puis où les vraiment on a saibiaka famille. Ah Léo, tu n'as quoi que moi tu as pas face à mon nom. Alors tu n'as pas qu'il pas qu'on a regret kabisa, tu n'as pas dit hein, tu m'as porté mon tout kabisa ma famille. Il y a quoi chargé à maison civile à chef de l'État, quoi tena conseiller spirituel ou à président. À pas tu m'as regardé chez beauté. Tout qu'on arrive à ça, on a dû apporter un mot tout pour boire la cabisse. Ça va, accent. Vous voulez dire un mot? Oui, moi, j'ai vraiment la profondeur de l'âme. C'est mon papa, j'ai perdu mon papa en tant que mon chef. Il est notre chef à la maison civile, le chef de l'État. Nous avons le regret. C'était pour nous vraiment un papa qui restait pour nous. Pour moi, c'est ce que je peux dire. Merci. Voilà. Voilà. C'est donc ici que se repose désormais Monseigneur Gérard Lumba Kalemba, mort à 83 ans de suite du Covid-19. Il a dirigé pendant plus de 28 ans le diocèse de Mueka. Il est le frère de feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, l'oncle paternel du chef de l'État et chef de la maison civile. Voilà. Bon. Exactement. C'est ici. C'est Sankawa et c'est le cimetière privé. C'est là où. Merci beaucoup. Hein. Bah, écoutez les kuna alors. C'est bon? Il y a besoin de ma colombie que tu as monté.
peut avancer. C'est que les gens sont entrés de l'autre côté parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Où c'est? Quand je suis arrivée... Bonsoir, Makolo. Bonsoir, Makolo. Il y en a qui sont... Pas encore. Pas encore. Mais continuons. Ok. Donc, Mokonza Koti déjà? Hein? Mokonza Koti déjà? Ah, d'accord. Donc. Bien vu. Nous sommes au centre Nganda. Je comprends que on ne sait pas bousculer non plus les gens qui sont venus. Il n'y a pas assez de monde. Hein? Parce que Bakoti Makolo, hein? De la Kunana Boye. Donc là, c'est le gouverneur de la ville qui vient d'arriver. Ok. Bonjour ma soeur. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, vous vous rappelez de moi? Oui, oui, je vois. Oh, c'était donc toi? Ouais, c'était moi, ouais. Ça, je m'étais dit, il faut que j'aille un masque pour moi. Oh, masque, comme ici, bisous, ouais. Oui, bah, t'es bah, homme invisible. Bah, oui, tu vas pas me voir. J'ai dit, je suis donc, par le centre Nganda, en fait, je vais réexpliquer. Le matin, quand je suis arrivée, il n'y avait pas assez de monde. Je suis arrivée vers 11h. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, parce qu'il faut limiter les attroupements. Mais vous comprenez, dans des circonstances comme celle-ci, après, nous avons dit que les apolélés, c'est un passage que vous avez vu, il y a une avenue là-bas. Ce qui fait que Batebele Bakoti Makolo. Donc, Koto, il faut sécuriser mon condi. Koto, il faut qu'organiser enterrement. Tu vois que c'est vraiment difficile. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de monde comme tel. Eh, t'as là-bas, bah, fin d'ici. Ouais. Il y a des gens qui sont dehors. Ah, tout, Fandi Nabal. Mais Bika à Congo.
Mais là, on est dans l'enceinte du centre Nganda. En fait, l'enceinte du centre Nganda est juste voisin au grand séminaire de philosophie de Sankagwa. Donc, il y a une sortie ici qui donne juste en face du centre Nganda. Et comme la route n'est pas en bon état, du côté cimetière Kintambo, le corbillard et puis la chef de l'État passeront par ici pour accéder directement à Sankagwa et assister à l'inhumation, le corps qui sera béni par le cardinal Ambongo. Il y a maman Marthe qui venait d'arriver. Donc le cortège qui est entré, la voiture qui est entrée tout à l'heure, c'était donc maman Marthe. Ouais. Thank you.
Non, allez, avant il y avait la chimie. Voilà. Habi cabinet de bozo, bozo sali, le président a bino lebo, filmé bozo, tout le temps on va faire ce bon. Bon. Donc vous avez compris qu'on ne sait pas continuer le live. On est obligé d'arrêter. Parce que... Ma Mission TV, le miroir du monde.